Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule. C'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un planeur ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, hashtag AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Hey ben salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la toute nouvelle saison de Fortnite, mais comme d'habitude avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, le code créateur FintexB dans la boutique Fortnite, FintexB dans la boutique Fortnite, cela me fait vraiment super plaisir. Hashtag AD, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment tenir le tout nouveau pass de combat gratuitement. Et comme d'habitude, le plus important, comme j'ai juste de le dire, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Simplement pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, là vous allez partir dans pass de combat, là vous allez faire obtenir le pass de combat, là vous allez faire voir la récompense sur la toute première récompense, ça sera le fond d'écran. Simplement là vous allez faire le bouton retour, obtenir le pass de combat, là ça vous met dans l'achat du pass de combat, là vous allez faire le bouton offrir, là vous allez sélectionner un ami à vous qui a peint le pass de combat, là vous allez faire le bouton continuer, là jusqu'à l'écran de paiement de votre plateforme, là vous allez faire paquet cadeau et là vous allez sélectionner ce cadeau là, là vous allez faire le bouton confirmer, là vous allez faire le bouton retour, le retour, encore une fois retour, là vous allez retourner au lobby, là vous allez cliquer juste ici, là vous allez partir dans vos paramètres, c'est vraiment super simple, là vous allez partir tout simplement dans recevoir des cadeaux, voilà recevoir des cadeaux, et là vous allez cocher la case non, c'est vraiment super simple, et là vous allez réactiver la case et là vous allez faire le bouton appliquer, voilà c'est vraiment super important de bien refaire cette manipulation là, là vous allez repartir dans passe de combat, là vous allez faire encore une fois obtenir le passe de combat, là vous allez faire acheter le passe de combat à 950 V-Bucks, normalement ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks une fois après avoir cliqué sur le passe de combat à 950, là ça vous met dans l'achat de passe de combat tout simplement, une fois que vous avez cliqué sur le passe de combat ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks, là vous allez cliquer sur l'achat de 1000 V-Bucks à 9 €, ça dépend où vous trouvez, là vous allez faire le bouton acheter, il y aura tout simplement l'écran de paiement de votre plateforme, là vous allez faire le bouton retour, là vous allez retourner au lobby de Fortnite. Là vous allez partir juste ici dans vos paramètres, signalement, signaler un bug ou un joueur, voilà c'est vraiment super simple, signaler un bug, là vous allez descendre tout en bas, boutique casier ou salon, là vous allez cocher la case, des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cocher cette case, et là vous allez faire refaire la capture d'écran, là vous allez attendre quelques secondes, et là vous allez faire le bouton continuer et accepter, voilà c'est vraiment super simple. Là vous allez attendre quelques secondes, envoie du signalement à Epic Games, là vous allez faire le bouton fermé, là vous allez retourner simplement dans vos paramètres, voilà c'est vraiment encore une fois super simple, là vous allez partir dans recevoir des cadeaux, là, la case elle sera encore désactivée, là vous allez bien la réactiver simplement non, moi je l'ai mis sur simplement sur oui, voilà, c'est vraiment super simple de bien activer cette case là, car c'est ce bouton là qui change toute la manipulation du glitch, là vous allez faire le bouton retour et là vous allez retourner dans passe de combat, encore une fois obtenir le passe de combat, là vous allez simplement aller dans intégrer le club de Fortnite à 11 €, là simplement vous allez faire le bouton retour et là vous allez retourner au lobby de Fortnite, là, et là vous allez partir simplement éteindre Fortnite et relancer le jeu. Une fois de retour sur Fortnite, comme vous avez vu, je viens simplement d'obtenir le tout nouveau pass de Fortnite gratuitement juste en faisant le glitch que je viens juste de vous présenter. Alors si le glitch il marche plus de votre côté, ça veut dire qu'il a simplement été patch par Epic Games. C'était FinTech, allez ciao tout le monde.